Mesdames et messieurs, salut, bienvenue sur Haitian Public Media, je suis Abner Gelin. Jeudi, c'est dimanche, 31 décembre 2023, dernière journée dans l'année 2023. C'est un honneur et un plaisir, chaque fois j'ai une chance pour me passer un petit temps avec vous. Moi, je voulais dire merci à tous les amis, fanatiques, familles, tout le monde qui va jamais laguer. Bienvenue sur Haitian Public Media, bon dimanche et bonne année. Si vous pouvez subscribe, faites ça jeudi, c'est très simple. En bas là, un petit bouton rouge qui marque subscribe, en cliquez sous lui. Fais commentaire, fais connait ça qu'on pense. Répondre question, poser question et là fini tant prix. Partagez channel ça avec amis ou famille ou tout le monde que vous connaît depuis que vous pensez à bénéficier. Jodi a grand pile de bagaille nous pas parler. Mais nous pas commencer avec annonce ça. Secrétaire général de CARICOM voyez une lettre by Haïti. Comme nous connaît demain c'est 220e anniversaire de l'indépendance pays d'Haïti. Dans l'occasion ça, Alliance ça qui c'est CARICOM prend un petit temps pour te écrire une lettre pour voyer by Premier ministre Ariel Henry. Dans lettre ça, yo exprimé reconnaissance yo, appréciation yo et yo félicité Haïti pour 220 années d'existence. Depuis que Haïti est uni tête li, en bayon drapeau, en bayon seul objectif, c'est la liberté. Et 220 années passées, Haïti prouvé que l'esclavage doit éliminer. Avec indépendance ça, non seulement Haïti trace chemin pour tête pâle, mais lui aussi trace chemin pour tout noir, pour tout peuple qui en bas oppression, qui en bas esclavage, pour qu'on ait que capable de délivrer tête ou si vous voulez. Demain, c'est le 1er janvier 2024, ça va faire 220 années depuis que Haïti lui-même est libre. CARICOM déclaré, yo campé en solidarité et en partnership avec République d'Haïti pour capable promouvoir initiative pour achever la paix, prospérité et un futur qui solide. CARICOM a toujours été pour supporter bien fait pour Haïti et effort pour peuple haïtien capable de surmonter les problèmes qui ont gagné. Aussi, pour capable avancer le développement national. Je dis qu'il est fier de l'égacy de l'indépendance qui lui-même tout, shape ou bien influencer toute Caraïbe là. Haïti, prospérité, est très important pour zone. Sécurité, c'est très important et ensemble, nous prenons le travail pour accomplir bagay sa yo. Ça, mesdames et messieurs, c'est une lettre que le secrétaire général de CARICOM, Karl Barnett, t'a voyé pour Haïti. Jodi, mesdames et messieurs, c'est la dernière journée dans l'année 2023. Et en pile bagay nous prenons parler. Année 2023, nous déjà connaissons une année vraiment qui était triste. Nous t'expliquons la situation hier. 2024, nous ne connaissons pas qui ça va le passer. Mais nous déjà, ouais, poteau a placé, plan a fait pour que l'année 2024 voyons l'autre bagaille. Moi, je souhaite qu'il soit le positif. Moi souhaiter que toute bagaille qui doit faite dans l'année 2024 li pral faite pour avancer intérêt pays d'Haïti. Dans une note personnelle, moi souhaiter ou même mesdames et messieurs, ou même qui toujours là cap garder que la vie ou va transformer sur tous les points. Que c'est la vie personnelle, famille, la vie spirituelle ou bien économique, moi souhaiter que l'année 2024 pour le réveiller
ou pral commencer faire tout ça côté vle faire ou pas de café yo. Année 2024, l'or levé, demain si Dieu veut, ou pral réaliser que c'est un monde nouveau. Ou pral gen discipline pour accomplir bagay qu'ou pas de vle ou pas de ka accomplir. Pour qu'on ait que rien n'est impossible si ou gen la foi, ou gen persistance avec persévérance. Moi, c'est un témoignage qui montre, quel que soit côté qu'on sorti, dans la famille qu'on a faite, dans le social, ou. Mesdames et messieurs, si bon Dieu avait ou une bonne volonté, ou voulez travail, ou une discipline, pas grand rien qui est impossible. Même ça qui me joigne, même ça qui est bon pour moi, moi prends toutes les mesdames et messieurs, moi pas qu'il et me voyer le baou. Et me demande bon Dieu que pour le prendre lui, pour la délivrer comme un cadeau devant porte chaque grain de monde. Qu'a pouté me là et chaque monde qui ou même tout qu'on remet, qui ont apprécié. Année 2024 là, doit yon année bénie pour nous toutes et spécialement les Haïtiens. Révolution, c'est lui-même qui a parlé. Pendant qu'on a parlé là, mesdames et messieurs, Guy Philippe, c'est lui-même qui a fait actualité. Sous épaule, citoyen, ça, reposer une charge très lourde. Sous épaule, Guy Philippe, pendant qu'on a parlé là, peuple haïtien mettait une charge très lourde. Et Guy Philippe semblait, il dit que l'accepter, pour le prendre charge ça. Guy Philippe, c'est un citoyen haïtien. Celle ça qui m'a demandé Guy Philippe, fait travail là avec sagesse. Si peuple haïtien, c'est ou même, il voulait choisir, en dépit de toute bagaille, pour mener yo, pas faire yo honte. Prend responsabilité ya avec fierté, et honnête à peuple là. Et là, on finit. Essayez prudent et utilisez sagesse. Connais bien, de dit hier, Haïti est situé dans la zone côté que lié, il n'est pas capable de retirer la tête côté que lié. Ça veut dire, copier sous Saint-Domingue. Sécuriser pays ou essayer hypocrite avec ennemi an. Pas montrer ennemi an qu'on déjà prêt pour attaquer mais montrer qu'on prêt pour travail mais dans cœur ou connaît bien qui ça qu'on va défendre comme moi te dit hier ça qu'on va le faire yo ça qu'on veut le faire kembel là moi doit comprendre genre de discours ça yo. Yo important pour soulever émotion peuple là mais yo pas nan avantage du tout mettre kouem samdou là yem t'a coûté un ancien sénateur c'est Ido Zeni qui t'a parlé de même bagay ça si m'ai chance avant que m'aller jodi là m'va faire entendre un extrait dans ça qu'il t'a parlé et que m'pensais que n'importe monde sérieux qui honnête t'a dû entendre. Parce que mesdames et messieurs, il y a de l'eau qui calme, les plus dangereux, qui ont de l'eau qui fait bruit. Comme je l'ai dit, mesdames et messieurs, n'importe monde, n'importe politicien que nous, qui déclarait qu'il est au poil contre les États-Unis pour avancer intérêt, yo, c'est menti qui a fait sous Yabao. Il n'y a pas de et vous connaissez bien, il est sous bluff. Mais si vous avez un politicien qui calme, qui a essayé de faire diplomatie pendant qu'il a protégé l'intérêt, attendez bien qu'on différence. Il y a une différence. Ou a protégé l'intérêt ou, mais ou a fait diplomatie. Ou utiliser un politique qui relève gagnant-gagnant, win-win. C'est-à-dire que bam ma bao, l'a réussi. C'est ça Saint-Domingue fait. Nous avons différence entre Saint-Domingue avec Kiba.
Saint-Domingue, jodi an la, li pa gen problème pour le faire business avec n'importe pays dans le monde là. Mais pour qui ça? Parce que d'abord, il était établi base diplomatie dans zone côté que lié avec pays dans zone côté que lié. Il va demander bataille. Mais simplement ça qu'il fait en première position, il établit ça que peuple a besoin. Il crée sécurité la caille. Il crée manger la caille. Li commence à développer pays. Li bay peuple yon raison pour rester dans pays pour faire investissement. Li éduquer peuple là. Lèl fin fait ça qu'on y a là. Li gen ressources humaines, li gen ressources naturelles, li gen bagay qu'il créé avec bagay sa yo, li capable négocier avec l'autre pays. Et même les un pays ta essayé pour ta venir ou mettre en bago sou li pa gen problème, li ka vivre la caille. Le ça pas un problème. Li capable négocier dans yon position de puissance. Quand est-ce que passé là avant hier? Saint-Domingue fait mes frontières avec Haïti. Mais qui est-ce qui coule à l'ouvelle? Haïti, parce que nous pas capable de résister. Nous pas gain un gouvernement qui stable, nous pas gain ressources naturelles, c'est acheter nous pas lâcher dans main yo. Dans sens ça, nous pas capable de négocier. Toute négociation l'a gain force côté parce qu'on pas gain rien. Saint-Domingue, c'est un modèle que Haïti ta doit suivre. On comprend nous gain fierté, nous pas vle penser que n'a copier sur l'autre pays. Mais mesdames et messieurs, qui ça que nous régler? Rien du tout. Dans sens ça, me penser que li très intelligent pour nous copier un bagage qui travaille. Pas grand rien mal à ça. Tout le monde copier. Pas grand monde dans le monde entier qui va copier sur l'autre monde. Tout ça qu'on ouais, il était là déjà, ou nous apprendre ou transformer, nous faire nous bien. Mais tout le monde copie de l'autre idée qui était là. C'est ça la vie aye. Ou pas jamais créer un bagage pour la première fois. Idée était là déjà. D'abord, Dieu est le créateur de tout. Ça veut dire que pas grand rien qu'on pourra utiliser que c'est au même qui crée ou prendre dans main un autre monde ou bien l'autre puissance ou bien l'autre force. Tout est déjà là. On nous essayer humble pour nous capable accomplir ça qui nous doit accomplir. L'année 2023, mesdames et messieurs, policiers mourent en pile. Ce n'est pas des polices qui mourent, mesdames et messieurs. Selon ça qui rapportait, 37 polices perdent la vie. Et y aurait l'année ça, 2023. Y a une année noire pour la police. Mais comme nous, Jacques, on est, c'est parce que pays a pas bail protection à la police. Pays a pas bail protection à la police. Jodi an la, premier ministre pays a comme dit déjà, il fait silence, c'est en coule, va même exister, va même quoi en vie même. Mais demain si Dieu veut, qui va 1er janvier, tout le monde pourra commencer à tendre parler ou bien continuer à parler des mêmes bagailles là. Guy Philippe pour la révolution. Mais mesdames et messieurs, je me pose une question. Qui sa peuple haïtien a espéré dans Guy Philippe? Peuple haïtien mettait sous dos Guy Philippe une charge très lourde. Et Guy Philippe semblait l'y accepter. Guy Philippe pour utiliser crédit pour renversement Jean-Bertrand Aristide en 2004. Comme c'est au monde lorsqu'il dit un bagage, il a fait, il dit ça. Et il va le porter dans le moment ça contre le gouvernement Ariel Henry. Pays d'Haïti, peuple haïtien. Mesdames et messieurs, il y a un peu espéré. Il espéré Guy Philippe pour le détruire bandit. Yo espéré Guy Philippe pour craser gouvernement. Yo espéré Guy Philippe pour préparer pays ya et pour établir la paix. Tout bagay sa yo. Yo sous épaule Guy Philippe jodi an la. Ou kapab wè, yon silence total. Les politiciens haïtiens silence. Et Guy Philippe l'a pas avancé. Guy Philippe, tout le monde légende et peuple là, jeunesse là, embrasse Guy Philippe.
dans Guy Philippe, yo wè yon délivrance. Et par contre, sou remarqué en pile groupe dans pays a ap allié yo. L'aime dit groupe m'a parlé groupe peut-être qui capable bay yon différence là. Nous pouvons connaître côté élite là. Nous pouvons connaître côté tout bandi yo yé, mais déjà connaît gen des bandi qui déjà montré qui ouvlé. Parce qu'il ne songeait avant hier, Guy Philippe t'a même adopté message que Jimmy Cherizier t'a bail. Donc nous capables de dire, nous capables d'ajouter Jimmy Cherizier dans le camp Guy Philippe. Pendant que nous parlons là. Donc, les groupes dans le pays ont commencé à allier. Comme je dis déjà, mesdames et messieurs, sous épaule Guy Philippe, il y a en pile bagaille. Et Guy Philippe, li même tout dans déclaration li gen les montrer qu'il voulait li prêt pour prendre contrôle et prendre mission ça. Mais nous pourrons poser une question: qui ça peuple haïtien espéré? Selon moi-même, yo voulait Guy Philippe pour l'écraser bandi yo. Yo voulait Guy Philippe pour l'écraser gouvernement Ariel Henry qui là. Yo voulait Guy Philippe pour établir pays ya. Ça veut dire, mesdames et messieurs, ou mettre Kwem Samdoula, peuple haïtien, vle Guy Philippe, président. Qu'est-ce que ça nous parle de dire? C'est vérité qu'il y a. Peuple haïtien, vle Guy Philippe, président. Mais si vous voulez, qui ça a empêché vous? Personne. Alors moi-même, moi, quand même, je dis, pour Guy Philippe réussir, Guy Philippe besoin embrasser tous les secteurs dans le pays, ou bien grande partie du secteur, et spécialement ça qui est important. Guy Philippe doit suspendre parler de craser les États-Unis. Ça, lui-même, mesdames et messieurs, je ne vais pas suspendre. Je comprends Libel, son discours qui est intéressant. Tout le monde t'attendait, remettant de parler de bagaille ça, comment Guy Philippe poil détruit grande puissance pour capable de délivrer Haïti. Même d'où, mesdames et messieurs, son erreur. Établi pays où? Entrez fait son capable. Et après ça, tout bagaille poil tombe dans place yo. Mais d'abord, ou même, ou doué prudent dans Jean-Claude avancer. Non seulement nous gagnons déjà pendant à parler là, nous gagnons barbecue Jimmy Cherizier qui semblait qui entrait dans le camp Guy Philippe, comme on était parlé de lui. Mais pendant qu'on a parlé là, mesdames et messieurs, hier, annonce qui fait c'est Bessap lui-même tout, qui qu'on y a là, officiellement entré dans le camp Guy Philippe. Et mesdames et messieurs, ça lui-même, lui sérieux, je ne sais pas comment je suis capable de dire lui sérieux. Lui sérieux. Parce que Bessap, c'est encore militaire. Dans Bessap, il rempli avec anciens militaires. Parce que faut me dire, mesdames et messieurs, depuis là, la médaille d'Haïti lui-même li abolie. Et faut me toujours dire, lorsque la médaille d'Haïti abolie, il était aboli sous demande peuple là. Il était aboli sous demande du président. C'est ton histoire, c'est dans l'autre moment, c'est dans l'autre temps. Dans le moment ça, à cause des abus que tu as fait à peuple là, peuple n'est pas capable. Alors je dis, la bagarre a changé, je comprends, parce que l'histoire a changé, elle vient oublier. Mais dans le moment ça, c'était un bagarre qui était acceptable. Tout le monde te senti que c'était nécessaire. Et ouais, pour que le pays avance, la meilleure douée. C'est. Mais pas oublier, moun sa yo, mesdames et messieurs, qui étaient sous pouvoir, qui étaient dans la mer, yo pas de content, non, naturellement. Et je dis là, problème Haïti gen là, en plus, moun ka dit, c'est parce que militaire a crasé. Est-ce que c'est vraiment seulement pas moun qui connaît? Parce que même la militaire a été là, Haïti pas de jambes stable, mesdames et messieurs, ça nous connaît. Toujours bonne histoire. C'est coup d'État après coup d'État. Général militaire haïtien toujours pensé au président. N'importe si bagaille qui ou pas aimé, il la président à terre et au pas pouvoir. C'est comme ça il était toujours. Donc on capable comprendre culture militaire pays d'Haïti
qui te rend impossible pour peuple à continuer avec elle. Aristide déclaré éliminé. Vous comprenez? Pour un pile monde, il pas bon. Même du consacré voyager dans le passé, à l'entrée dans le moment Aristide là, ou après qu'il était normal, majorité peuple te pensait qu'il était important. Et spécialement, ça y a quitté la valasse. Et c'était en masse. Aristide n'a pas pouvoir dans le premier mandat, mesdames et messieurs, avec 67,9%. 67,9% de la population. C'est quoi causé? Donc, c'était un mandat dans mes peuples là. Jodian là, mesdames et messieurs, Guy Philippe gagne même Olmak ou bien même caractéristique avec Aristide, yon populiste. Et semblait que tout le monde derrière, peuple là derrière. Mais on nous dit que Guy Philippe monte sous pouvoir. Parce que Jean-Baptiste a avancé là. Même groupe qui t'a supposé en bas contrôle le gouvernement, soulevé. Et semblait qu'il n'y a pas levé contre Ariel Henry. Ce c'est possible. Dans la semaine qui va venir là, révolution déclenchée, Ariel tombé. Si Ariel tombé, révolutionnaire doué prend contrôle. Guy Philippe capable de prendre contrôle du pays. Mais on nous dit que ça, Guy Philippe monte, il fait élection, peuple a le vote. Pendant ce temps, il y a un groupe dans le pays, ou bien l'armée a décidé, puis on l'a gagné Guy Philippe à terre. Ça ne pense pas le peuple. Parce que, ma bon exemple, pour montrer, qui ça fait que chaque moment, bagaille différent. N'est pas de groupe qui t'a vint contre Guy Philippe. Peuple, ça n'a pas levé contre lui-même. Même les gens qui nous ont là, qu'on y a. Jovenel Moïse, l'aide sous pouvoir. Même peuple, ça, t'a couru derrière elle. On m'a toujours montré des manifestations qu'on fait contre Jovenel Moïse. Mais lorsque on finit tout, c'est là que le peuple a commencé. Ouais, semblait Jovenel pas si mal. Mais dans un moment, ça a souvoyagé, dans un moment, ça a pourrait que le peuple a été supporté. Démission Jovenel Moïse. Comme on dit, Bessap a peine annoncé officiellement que yo avec révolution. Et au même déclaré, selon question journaliste demandé yo, est-ce que c'est à cause de Guy Philippe qui fait nous-mêmes n'a parlé de révolution? Yo dit non. L'été déjà commencé déjà. Now, vous voulez vous comprendre? Ça, c'est une force dans le pays qui t'a doué en bas gouvernement. Je vais montrer dans qui problème Haïti est là. Division 1, pays à tête en bas. Ça, c'est une force qui t'a supposé en bas contrôle pays. Force, ça a déjà révolté. Ou il y a une division déjà dans le pays. Ah, mais t'es déjà gagné. Même je vais montrer, pas de monde qui déjà pensé que dans le militaire ou bien police ou bien force, là, les mettent divisés. Si Bessap lui-même li déjà outi école dans le gouvernement. Li c'est gouvernement mais outi école li konya la li indépendant konya la. Et li déclaré pas gen personne qui ka désarmé yo. Gouvernement kal décide mande combien zam ki yo genyen, combien membres ki yo genyen. Ou ka imagine mesdames et messieurs, yon pays qui gon gouvernement jodi an la, c'est au même kap mande groupe ça, fèm konnen combien membres ki yo genyen, fèm konnen ki kalite zam ki yo genyen. Ça c'est une honte. Ça, c'est une honte, mesdames et messieurs. Gouvernement, pas même connaît combien d'âmes, yon force qu'elle a doué contrôler gagné. Mesdames et messieurs, bon, fait une goutte crasse. Dans la déclaration que Bessap te fait, petit bout tout petit, pour montrer nous comment que yon gouvernement dans le pays d'Haïti perd du contrôle. En nous écoute. Nous sommes capables d'annoncer que gouvernement depuis le monté les guion blanc c'est plus capable de démanteler ou bien plus capable craser Bessap qui pas exécuter l'ordre manifestement illégal pour yo contre population. Je dis à nous connaît depuis le gouvernement ça a monté qui gymnastique ministre environnement avec tout pouvoir à faire plus capable craser Bessap. Je dis à nous revenons en phase côté que
et ni ministre ni premier ministre, il va convoquer le directeur général, nous, c'est Jean-Tel Joseph. Il va demander le plus capable de faire une liste des agents de la BSAP. Il va demander qui compte au cantonné et demander qui type des armes nous gagnons. Et nous félicitons le directeur général là, qui pas prendre un plan ça, qui pas prendre un plan de trahison ça, il te comprend ça vite pour pas remettre négio Jean de bagaille ça yo. Est-ce que vous entendez, mesdames et messieurs? Il y a un groupe qui t'a supposé en bas contrôle gouvernement. Le gouvernement perd le contrôle tout le pays. Nous n'avons pas un gouvernement vraiment, oui. Nous disons gouvernement parce que nous n'avons pas un choix, on dit. Parce que nous avons lettre, nous avons lettre comme vous là, c'est pas le gouvernement vous. Mesdames et messieurs, gouvernement, c'est lui-même qui a demandé BESAP pour le deal. Combien de membres vous avez? Qui qualité d'âme qu'on gagne? Qui côté qu'on localise où? Mesdames et messieurs, si vous pas jamais apprendre rien dans politique, on voit que me fait effort toute l'année ça yo là qui me passe là avec vous pour montrer au noir sur blanc problème pays d'Haïti. Noir sur blanc problème pays d'Haïti. N'attendez bien. C'est pas Saint-Domingue qui te dit gouvernement haïtien pour faire du contrôle là mais falsely. Non. C'est pas l'autre pays qui dit Haïti pour incompétent comme ça. Mais c'est eux-mêmes qui choisit pour incompétent de façon ça. Et je dis là, ou gen un groupe qui t'a supposé sous contrôle gouvernement pour ta connait côté que yo yé. Et c'est pas sans raison, mesdames et messieurs, qui nous est vraiment vrai. Gouvernement, au lieu qu'il travaille avec BESAP, avec l'armée, avec la police, ressources qu'il gagne, il y a cherché Kenya. On comprend frustration, là, on a dit, pour qui ça c'est Kenya? Parce que par le gouvernement. Et son GBM te dit nous, mesdames et messieurs, Kenya pour Alvini, non pour la bataille avec bandits, non, pour capable sécuriser l'infrastructure dans le pays. Pour conseiller la police. Et je dis là, gouvernement perd le contrôle, tout groupe, je garantis ou pas le temps de, tu restes là, mais qui était, hein? Li poil li même tout li poil déclarer révolution et suspect la police li même tout poil déclarer révolution et mesdames et messieurs nous capable ouais domino commence à tomber et gouvernement a la crasé bon groupe monde ça yo crasé m pa ka rele le gouvernement y a rien sens. Même pas de l'autre façon, car il est. Now, pendant qu'on a parlé là, par contre, vous remarquez, je checke tout journal qui me connaît qui est réputable dans le monde là. Je checke toute télévision de jour en jour, pas heure, chaque moment, je checke. Je regarde pour moi si il y a un qui même parle de Guy Philippe. Rien, mesdames et messieurs. Pendant qu'on a parlé là, internationalement, je fais silence sous révolution de Guy Philippe. Même Saint-Domingue, pourquoi parler de lui? Les États-Unis, pourquoi parler de lui? Canada, pourquoi parler de lui? Je suspecte peut-être qu'il n'a pas pris le sérieux, même senti, il a pensé, il a examiné, il a suivi comment il va dérouler. Parce que, mesdames et messieurs, comme on dit déjà, mouvement ça qui commence là, j'en ai fait là, il n'y a pas un petit mouvement. Je ne sais pas ça va arriver. Je ne sais pas comment on va finir. Mais ça que je connais, mouvement ça, il n'y a pas un petit mouvement. Et s'il n'y a pas un petit mouvement, si je suis capable de renverser ça qui là, système qui là, seul bagage qui me dit, il m'a toujours dit, je suis que nous avons trois forces dans le pays. Moi, je souhaitais Guy Philippe,
gen yon plan pour trois forces sa yo. En plus de trois forces sa yo, Guy Philippe gen yon plan pour force extérieure yo, et spécialement les États-Unis. Parce que comme moi toujours dit nous, gen yon notion nan pays a que problème non c'est l'autre pays, c'est l'autre monde qui fait. Et ça, si c'est avec même bagay ça qu'il paraît, c'est possible li ka gen vote, c'est possible li ka gen popularité, mais il pas gen succès. Parce que peuple haïtien doit prendre responsabilité pour propre problème yo. Ou doit même enseigner peuple là pour le faire ça. Parce que si vous pas enseigner pour le faire ça, on y pas marcher. Parce que n'a toujours pensé c'est l'autre pays qui est responsable, tandis que c'est nous-mêmes qui est responsable. Comme moi toujours dit, moun n'a pas qu'à prendre si ou pas bay. Ou bay, yo prend. Si ou pas bay, yo prend, c'est parce qu'on lâche. Ça veut dire, si ou yon bagay, pour moun prendre, faut le touye ou avant le prendre. Ou ka fait cadeau lui, ça veut dire qu'on y a là ou d'accord pour vivre en bas domination moun nan. Mesdames et messieurs, pas grand rien, pas qu'on va être difficile dans ça, non? C'est très simple. Si vous êtes président d'un pays, ou son leader, ou avez négocié dans respect, avec dignité. Mais comme on dit d'abord, ou de gon bagay, ou de leverage, ou de gon bagay que mon a besoin, et li gon bagay que le baou, c'est baye prend. M'dap koute, bon m'fè n'koute avant m'aller. Ido Zeni, qui est un ancien sénateur qui a parlé. Moi, je pense que Ido Zeni, c'est un sénateur qui est plus intelligent. Après Jacques Sauvé-Jean, peut-être Jacques Sauvé-Jean lui-même, mais Jacques Sauvé-Jean pile tout. Mais c'est un sénateur qui est intelligent, qui a parlé. Il parle en façon vraiment qui est réelle. Parce qu'elle comprend la réalité. Et c'est ça ma PC fait, c'est comprendre la réalité. Ce n'est pas question de défendre l'autre pays, non. C'est comprendre la réalité là. Ou pas une force vraiment pour aller battre avec puissance ça yo. Mais ça doit être fait, c'est ranger tête ou. Blier moun ça yo. Focus sur tête pays ou. Changer pays ou. Mais garantir ou. L'offre de créer ça qu'on gagne, il n'est pas important pour négocier avec l'autre pays. Oui. Fais silence, fais comme si ou pas là et ou pas travail. Ou pas là, ça pas arriver. Ou pas là, ça pas arriver. En nous écouter ensemble, Ido Zeni, qui t'a parlé, m'a sur micro, radio, télé, éclair, côté qu'il t'a fait une interview, et pendant qu'il t'a demandé, qui ça le pensait de Guy Philippe? Et qui ça Guy Philippe qui a besoin pour gagner succès? Très important. Qui ça le pense de Guy Philippe? Et qui ça Guy Philippe, mesdames et messieurs, capable besoin pour le succès? On nous écoute ensemble, Ido Zeni. Et deux, trois bons hélicoptères de maison, non? Oui, combat. De guerre, de combat. Mm-hmm. Et puis, il a besoin de deux, trois, quatre mille garçons avec lui, qui vit à Chauvaïti. Et puis, attends, et puis, avancé. Vous pensez ça possible, Baba Américain? Bon, écoutez, mal non bagay, chaque monde, ou la République Dominicaine, la République Dominicaine en bas baba américain, mais vous faites ça qui est bon pour la République Dominicaine. Mm-hmm. Exactement. Nous sommes en guerre. Haïti est en guerre contre lui-même, ça veut dire nous pas en guerre avec notre pays. C'est Haïti pareil, nous qui fait nous passer misère. Pas vine dim que c'est moi ou bien un tel qui crée ou non. Ou te vle gang, te gen moto taxi, te gen tout bagay pour te fè tête ou pour te avancer. Son choix, ou son choix à zam pour aller tuer frère ou faire ou font choix. Pas bien dit, c'est société. Alors aux États-Unis, on rive là, parce qu'on va rien manger, parce qu'on pas qu'à travailler, parce qu'on pas de font choix, et puis qu'on y a pas de bazar. Mais pas vrai, mon cher Abtchou. Y a Abtchou, y a tout dans la prison là. Elles sont dans la maison là. Mais grain dans mon aïe, ou pas, moi arrivé, pas gaffe faire des papiers, ou pas payer foutu dehors deux jours plus tard, courant aux États-Unis, ou pas payer, même côté à couper, téléphone, ou pas payer, il est arrivé, pas un caca là, ça veut dire que, pas vite faire jouer avec, et puis, pas qu'être nègre, qui connaît l'histoire, disant, il y a un docteur qui a répété,
malpropre nèg sa a dit a de moi que l'antisem créole là. Mesdames et messieurs, capable tendez conversation. Premièrement, li montrer. Guy Philippe capable bien succès mais l'a besoin des ressources. L'a besoin hélicoptère. Des armes vraiment lourdes pour capable aller en face bandi. Deuxièmement, question à poser. Est-ce que Guy Philippe capable gain succès dans face américain là ou bien est-ce que Haïti lui-même il a réussi dans face américain? Ça veut dire que parce que qu'on est haïtien notion problème Haïti a, c'est les États-Unis qui cause lui. Monsieur répété, il dit Saint-Domingue fell en barbouche américain. Mais d'abord on doit créer un bagage la caillou. Après ça il déclarer pour moun ki dit que c'est moun ka fè yo, a dit que c'est l'autre pays ka fè yo. Il dit ça pas gen sens du tout. Pas gen moun ki fò fè un bagay, c'est ou même ki fè l avec propre tête pa ou. Ou ka fè un choix différent. Ou moun ka mande pou fè un bagay ou refuse. Donc c'est choix que lié. Et li monte aux États-Unis. C'est choix que lié. Gen grand goût aux États-Unis tout, gen pauvreté. Mais on pas qu'à utiliser grand goût et pauvreté pour faire crime ça yo. Pays y a matibilé ou y a détruit, y a touyé ou de travail, créer un bagay pour vivre. Ça pas excuse pour faire gang et puis kidnapper moun prendre dans même moun. Et puis on fait nous dire c'est moun qui bon zam. Non, ça c'est un choix. Ça c'est un choix. Après ça, monsieur continue à parler des notions que Haïti capable de lever contre les États-Unis. Pour qui ça? Il montre les pas nécessaire. C'est même bagarre que m'a dit nous là mesdames et messieurs, on nous coûte ex sénateur encore qui va l'expliquer bagarre ça. On nous coûte. Moi même c'est ça m'a toujours dit, moment nous pas être pas être éclairé parce que c'est vrai que nous devons gommer contre américain mais à qui est-ce que n'a parlé qu'on a pour nous gommer là? Mbalou mal qui est intelligent et qui est très fort. Ouais, les États-Unis. Oui, oui. Pas qu'un monde au monde qui a goûté avec. Pas jamais goûté avec les États-Unis, qui ont vint de matin chef. Négocier avec les États-Unis. Ou pas jamais goûté avec. Ça veut dire, goûté avec le win-win en anglais, en français, le gagnant-gagnant. Ça veut dire, blanc lui-même, l'a bien bon pal, m'a bien bon pal. Ça qui est bon pour Haïti, ça qui est bon pour Haïti, et la m'apprendre. Ça qui est bon pour les États-Unis, ma balil. On va écrire le win-win, c'est ça lié. Pas que vous n'avez pas qu'à gourmer à les États-Unis d'Amérique. La Russie, comme puissance mondiale, pas qu'à gourmer avec les États-Unis. Les États-Unis, c'est le faible, l'autre monde. Il y a de gérer le monde. Elle dit que, pas jamais penser que si Haïti est capable de gourmer, même si Haïti, sous kilomètres nous, sous combien de kilomètres nous y est, combien de monde nous y est. Yo dit nous y est 13 millions d'habitants, mais en fin de compte nous pas qu'on est. Capable de 14, capable de 12, capable de 11. Ça veut dire que depuis après Duvalier, par exemple, nous vraiment un recensement qui fait. Nous pas gérer le pays, nous pas rien qu'un contrôle le monde nous. Ou pas qu'à gommer à les États-Unis d'Amérique. Mesdames et messieurs, nous pas besoin de dire rien encore. C'est ça que me fait comprendre. Gonseri des pensées moun yo genyen qui pas réel. Dans moment que nous est là, nous pas besoin faire ennemi. Ennemi c'est nous-mêmes. Nous devons contrôler tête nous d'abord. Pendant ce temps, n'a agi en façon avec pays qui nous relé ennemi. Nous pour la bataille contre les États-Unis pour qui ça? Yon leader qui paraît sous scène fait discours pour capable stimuler peuple mais essayer contrôler ça qu'on a dit même les coups qu'on est ou quoi c'est ça que lié parce que mesdames et messieurs toujours dit nous quel que soit ça qu'on est les États-Unis toujours voulaient protéger intérêt dans sens ça Haïti leader haïtien yo ça yo qui voulait changer Haïti doit commencer à apprendre qui gens pour utiliser langage politique. Très important. Année 2024, on t'a souhaité langage la changer.
changer pays ou. Et l'on fini, ou va gen force pour bataille avec quelle que soit puissance là. Non pas M. Abner Jelin, pour Haitian Public Media, passez une très bonne journée. Bon Dieu bénin. Bye bye.